soit les collaborateurs, les visiteurs, les partenaires. On a eu un stand qui a été rempli chaque journée du matin au soir pour assister aux conférences qu'on a tenues. Des partenaires qui ont pris la parole avec nous, je pense notamment à Sistra et la SNCF, ces personnes avec qui on innove au quotidien. Il y a une chose qui était très importante aussi cette édition, c'était de ramener l'innovation auprès des collaborateurs, auprès des métiers qui la font. Je pense notamment bien évidemment à Perceval, notre chien robot qui aura fait l'attraction pendant ces 4 jours. Mais je pense aussi au programme d'intelligence artificielle qui permet de fluidifier les trajets en station. On a aussi tout un système embarqué qui permet d'aider à la régulation des RER A et RER B dont nous sommes très fiers. C'est le projet Totem qui a été 100% designé en interne. Les exosquelettes aussi ont eu leur part d'attractivité sur ce salon puisque cette année nous avons pu les faire essayer aux visiteurs, donc ils ont pu se rendre compte comment la RATP, via des partenariats autour des exosquelettes, permettait de soulager les collaborateurs, nos mainteneurs qui travaillent d'arrache-pied pour faire que toute cette mobilité fonctionne.